Avant la crise, les Omniacs étaient conçus pour servir les humains, à la fois dociles et remplaçables. Mais lorsqu'une IA rebelle les reprogramma, leur fonctionnalité première fut totalement bouleversée. Ils se retournèrent contre les humains qui les avaient créés. Pour faire face à cette menace, l'humanité créa Overwatch. Leurs actions mirent fin à la crise, ce qui permit aux Omniacs de s'affranchir. Mais des cendres de cette crise naquit un nouveau conflit. La plupart des humains refusant toujours de considérer les Omniacs comme leurs égaux. À présent, le groupe de résistance Omniac connu sous le nom de Secteur Zéro est sorti de l'ombre pour se dresser contre l'humanité et libérer ses semblables. La révolution est déjà en marche.
Le secteur zéro nous envahit! Il est partout! Si quelqu'un m'écoute, on aura besoin d'aide! Je le retiendrai autant que possible! Ça va très bien, merci. On peut se joindre à vous? J'arrive! Wow! Est-ce qu'Overwatch apprécie ma ville? C'est une beauté! En dehors de tous ces robots tueurs! C'est clair, m'en parle pas! C'est pas comme si on les avait invités! Ouais, quel mal poli! Ha ha! Vous parlez trop, les jeunes! La zone est dégagée. Ah, vous réjouissez pas trop vite! Ces machines, elles vont revenir. Faut pas rester ici. Venez, suivez-moi. Ça, c'est chez moi. On y sera en sécurité pour l'instant. On n'a pas beaucoup de temps. Les civils ne tiendront plus très longtemps. Il nous faut un plan. Bah, ce gros vaisseau ne fait que cracher des robots depuis son arrivée. Si on arrive à l'arrêter, on peut peut-être sauver la ville. Très bien. Alors, on vole jusque là-haut. On détruit tout ce qui se met en travers de notre chemin et on les met hors d'état de nuire. Il est sérieux, lui? Avec lui, impossible de le savoir. Il faut former plusieurs escouades pour occuper le secteur zéro et aussi protéger les civils. Dites à Echo d'amener la navette. Nous autres, on va avoir du boulot. On va entrer dans ce vaisseau avec notre nouvel ami. Hey, moi c'est Lucio. Bienvenue à Rio. Il faut sauter, vous pouvez pas y couper. Vous l'avez entendu, on y va. Allez-y, je suis juste derrière vous. Sortir de Rio. Les troupes au sol élimineront les dernières unités en un éclair. Lucio ? Hein ? Ah, tu as fait du très bon boulot. Wow. Eh ben, venant de vous, c'est... Merci. Vraiment désolé de vous interrompre, mais je détecte de nouvelles attaques dans d'autres villes. D'ailleurs, si vous cherchez à arrêter le secteur zéro, j'aimerais vraiment vous aider. Bien.
bienvenue à bord. Wouhouhou! Matez-moi cette équipe. On va tout défoncer. Oh, wow! Observatoire Gibraltar! Ça déchire grave! Sérieusement, quand on pense à tous les gens qui ont foulé seul, le commandant Morrison, Thorbjörn Lindholm, le grand Reinhard Wilhelm... Oh, ne le lance pas sur ce sujet. Et dire que l'ONU a un jour dissous Overwatch. Alors, ils sont où tous les autres? Y'a que nous. Eh bien, pas exactement. Content de vous voir. Qu'est-ce Ouais, désolé du retard, mais on était en phase de recrutement. Étant donné les circonstances, on a pensé que vous ne seriez pas contre un petit coup de main. Un petit coup de main? C'est plus qu'assez d'aide pour affronter le secteur zéro. Elle les a crabouillés en tout petits morceaux. Oui, elle a tout compris. On dirait que je vais passer mon temps à vous soigner tous les deux. Nos chances de battre le secteur zéro viennent de s'améliorer considérablement. S'ils veulent se battre, eh bien allons les affronter. Tout à fait. Mais on ne peut pas foncer tête baissée. Le secteur zéro est trop fort pour le combattre de front. C'est une approche stratégique qu'il nous faut. Stratégique, hein? Si on veut y arriver, il nous reste une dernière personne à recruter. Agent Tremblay. Dure soirée. M'en parlez pas. Je sais que ça fait pas 3 mois. Je peux entrer? Murphy! Oh, quel bon toutou! C'est incompréhensible. En général, elle cerne les gens bien mieux que ça. Tout le monde a son jardin secret. Vous voulez des croissants? Oh, merci. Alors, pour que ce soit bien officiel, êtes-vous Vivian Chase, ancienne capitaine d'Overwatch sous le nom de code Sojourn? Je confirme. Et avez-vous respecté les termes du Petras Act quant à la dissolution d'Overwatch? Aucune activité de justicière? Et si vous arrêtiez de tourner autour du pot? Nous avons intercepté ceci, il y a quelque temps. Nous venons de le décrypter. Je suppose que vous l'avez déjà vu. Alors vous savez que je n'ai pas répondu. Je mène une vie agréable, Noah. C'est... rangé, apaisant. Soit. Mais... comment avez-vous résisté? Même moi, ça m'a donné envie. Et ce sont vos anciens compagnons d'armes qui enfreignent le Petras Act. Et vous voudriez me faire croire que vous n'avez pas craqué. Murphy, couchez. Votre croissant refroidi. Vous... surveillez un peu les environs, non? Vous vous tenez au courant? Vous avez entendu parler d'une insurrection omniaque secrète? Hier soir, mon unité enquêtait sur une cellule extrémiste liée au secteur zéro. Nous les avions sous-estimés. Mais quelque chose, quelqu'un, est arrivé. Thank you.
personne. Mon équipe serait morte. Je serais mort. Mais je dois faire mon devoir. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous faisiez hier soir. Je ne sais pas quoi vous dire. J'étais chez moi avec Murphy. Alors nous avons un problème. J'ai trouvé ça après l'attaque. Ça vient d'un fusil Okoton Kelvin 87. Le modèle que vous utilisiez. Je ne vous l'ai jamais dit, mais si j'ai intégré l'agence, c'est un peu grâce à vous. Votre témoignage pendant les auditions. Vous avez fait ce que vous pensiez juste. Faire ce que l'on croit juste peut s'avérer compliqué. L'Overwatch que j'ai rejoint à l'époque avait de grandes aspirations. Rendre le monde meilleur. Mais nous avons fini par oublier cette mission. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Mais c'était la décision la plus difficile de ma vie. Faites ce que vous pensez juste, agent Tremblay. Toronto subit une attaque du secteur 0. Vous, à la camionnette, sécurisez autour de Beverly et Queen. Pardon? Sur le toit, il me faut une vue du dessus. Trouvez un itinéraire pour évacuer les civils. Yes. Tremblay, vous êtes là? Ici Tremblay. Faites ce qu'elle vous dit. C'est notre seule chance. Viviane. Quels sont vos ordres, capitaine? Restez en ligne. Nous avons une ville à sauver. Évacuez vers la gare maritime. Les dernières évacuations sont en cours. Tout civil doit se rendre à la gare maritime. Ceci est votre dernière chance de quitter la ville. Venez, par ici! Il faut qu'on se dépêche! Vous ne manquez pas de courage, mais des briques ne suffiront pas contre ces choses. Allez à la gare maritime, c'est le seul moyen de partir. Content de voir que t'as pas perdu la main. Ça fait un bail, Viviane. Ah, comme si j'avais pas assez de problèmes comme ça. Je t'avais dit que je pourrais la retrouver. Je vois que la retraite forcée, c'était pas pour toi non plus. C'était bien avant tout ça.
Mais ces derniers jours ont été... Besoin d'un coup de main, peut-être. Winston! Eh, on n'a pas eu de câlin, nous? C'est grave, Sojourn. Il y a quelque chose de différent avec le secteur zéro, cette fois. Je sais. Ils contrôlent presque toute la ville, et ils capturent les Omniacs. Alors c'est qu'ils ont un plan. Qu'est-ce qu'ils leur veulent, à votre avis? Ça vient du point d'évacuation. Les civils ont besoin de plus de temps. Sacré endroit pour des retrouvailles, hein? En route pour la gare maritime! Votre gouverne, je trouve qu'on s'en sort vraiment de justesse. Oui, mais l'équipe a vraiment fait du bon travail. Genji, qu'est-ce qu'il y a? Ces attaques cachent quelque chose d'autre. Je dois retrouver Maître Zenyatta. Il aura peut-être des réponses. Rejoignez-nous. Nous vous accueillons au sein de l'Iris. Les autorités locales devraient pouvoir s'occuper des civils à partir de maintenant. Ils seront entre de bonnes mains. J'aimerais juste pouvoir faire quelque chose pour eux aussi. Le secteur zéro a clairement un plan pour ces Omniacs. Sojourn, nous devrions ramener Overwatch à l'observatoire Gibraltar et envoyer... Winston, je sais ce que tu essayes de faire et je t'en remercie. Mais je n'ai pas répondu à ton appel pour une bonne raison. Ce n'est plus ma vie maintenant. Et vous n'avez pas besoin de moi, mais de quelqu'un comme Jack. Jack Morrison a ses propres fantômes à combattre. Et il ne reviendra pas. Viviane, par le passé, quelle que soit la complexité d'une mission, tu trouvais toujours un moyen de la mener à bien et de nous ramener en un seul morceau. Ce que nous avons accompli, c'était grâce à toi, notre commandante, ta vision des choses. Te permettait de prendre le recul nécessaire. Tu sais qu'il a raison. On aurait besoin de ta vision à nouveau. Vision? Ok. Voilà ce que je vois. Overwatch était une organisation internationale. Des milliers de gens, avec des ressources illimitées. À présent, il ne reste qu'une poignée d'entre vous. Overwatch a été fondé par une poignée de gens. Et ils ont réussi. Ils n'ont pas réussi. Et nous non plus. Le monde nous faisait confiance. Et on a échoué. Bon. Je vais vous aider à arrêter le secteur zéro. Mais vous devez comprendre. Overwatch a été dissous pour une bonne raison. C'est l'heure de passer à autre chose. J'arrive pas à lui enlever cet appareil. Ah, je m'en occupe. Attends. Non, Rainer, arrête. Tu es habitué à ton marteau, mais la force ne résout pas tous les problèmes. Quoi? Mais c'est juste une machine. Ce n'est pas juste une machine. Cet Omniac est vivant, tout comme nous. Ils ont besoin de notre aide. On doit trouver comment retirer ces appareils sans les blesser. Sojourn? Papa saurait quoi faire. C'est un expert dans ce domaine. Ah, Torbjorn! Évidemment! Il aura peut-être des réponses. Ça me ferait plaisir de le revoir. –
Bonjour, Monsieur Yoshida. Oh, bonjour, Kiriko. Encore des donuts pour le dîner? Ce ne sont pas de simples donuts. Ils viennent du Festival de la Renarde, avec des vermicelles spirituelles. Vous voulez en goûter un? Non, merci. Mais peut-être que ta maman en voudra un. Elle est là? Oh, et je parie qu'elle a son aspirateur. Eh oui. Tu sais, quelqu'un est venu au travail avec moi aujourd'hui. Et elle avait très envie de te voir. Salut, petite lapine. Tu fais beaucoup de progrès. Mais tu as raison. Ah, et j'ai quelque chose pour toi. Oh. De quoi j'ai l'air? Bon, je vais devoir y aller. À plus, petite renarde. Monsieur Yoshida, priez pour moi. Maman, tu es là. Kiriko, c'est devenu dangereux ici. La semaine dernière, quelqu'un a été victime de vol à main armée. Tu n'aurais jamais dû déménager. J'ai fait tes courses. Maman, tu t'inquiètes trop. Et toi, pas assez. Non. Ne me dis pas que c'est ton dîner. Kiriko. Maman, regarde-moi. Je suis protégée par l'esprit de la renarde, comme l'était grand-mère. Ta grand-mère nous a quittés. Et je ne veux pas te perdre, toi aussi. Mais maman, la renarde peut bloquer les balles et réguler la glycémie. C'est un esprit multi-usage, tout usage. Comme la farine, qui sert à faire des donuts. Tu sais que j'ai une épée, non? Je vais bien, je suis trop en sécurité. Tu sais, je ne ferme pas l'œil de la nuit tellement je m'inquiète. Tu ne t'entraînes plus avec moi. Kanezaka tombe en ruine et je ne sais pas comment te protéger. La foi ne suffit pas. Pas toute seule, Kiriko. Maman, si tu crois pas en l'esprit de la renarde ou aux enseignements de grand-mère, crois au moins en moi. Je suis plus forte que tu le penses. Tu en es sûre? Est-ce qu'au moins tu t'entends parler? Oh, ne t'inquiète pas, maman. Je suis protégée par l'esprit imaginaire d'un animal qui transforme les donuts en vie. Ton fils nous doit beaucoup d'argent. Je vous ai déjà répondu. Je ne sais pas où il est. Tu crois qu'on est là pour jouer? Tu crois que l'esprit de la renarde va te protéger? On est les Hashimoto, mon pote! Ça te tuerait de manger un légume? Du céleri. Oh. 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 Cornichons, n'importe quoi. Tout ce que je veux, c'est t'aider, Kiriko. Kiriko? Je vais tous vous casser la figure. Quoi? Personne ne menace les Hashimoto! Attends, moi je veux pas me faire casser la figure. Je vais appeler des renforts. Quoi? Some and I, you miss some.
On est... les Hashimoto. Mon pote. Vous, les Hashimoto, vous en prenez à cette ville. À ce quartier. À ces personnes. Depuis trop longtemps, j'ai un message à transmettre à votre chef. Kamezaka est sous ma protection. Est-ce que tu vas bien? Quelle petite renarde courageuse. Veillez bien sur elle. Elle grandit beaucoup trop vite. Merci, Kiriko. Maman. Tu es blessée. Oh. Ça va aller. Peut-être que j'aurais dû continuer l'entraînement, en fin de compte. Peut-être. Peut-être que j'ai été un peu sévère avec tes donuts. Peut-être que revenir un peu à la maison n'est pas une si mauvaise idée. Oh, ça me fait tellement plaisir. Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Sinon, je vais pleurer aussi. Grand-mère serait tellement fière de toi. Mon bébé est une super héroïne. Ma petite étincelle, tu n'as pas besoin d'excuses pour venir voir ton papa. Petite? Papa, je suis plus une enfant. À ses yeux, tu le seras toujours. Tu penses pouvoir l'aider? Ah, je ne sais pas trop. Cet appareil me donne du fil à retordre. Je pense pouvoir l'enlever. Mais il y a un plus gros problème. Je ne trouve aucune donnée dans la mémoire de cet omniaque. Il est vivant, mais...
C'est comme si son essence avait disparu. Et utiliser une sauvegarde pour la restaurer, c'est pas possible? Oh, sérieux, tonton? Est-ce que t'as une sauvegarde de secours de ton âme quelque part, toi? C'est pas aussi simple. Ah. C'était juste une suggestion. Le monde entier compte sur nous. Quelqu'un doit bien trouver une solution. Bien le bonjour, petit oiseau. Tu viens d'où, toi? Oh, le secteur zéro! Ils nous ont trouvés! Derrière moi! Attends! Il n'est pas avec eux. Tout va bien. Je m'occupe de lui. C'est peut-être le dernier de son espèce. Regarde, Bastion ne te fera pas de mal. Quoi? Bastion? C'est pas un animal, c'est une machine à tuer. Ah, non, plus maintenant. Ah, ce sont ces choses qui ont causé la mort de tant d'amis pendant la guerre. Et maintenant, tu veux mettre toute ta famille en danger? Reinhardt, cette guerre est loin derrière nous. J'ai changé. Il a changé. Le seul qui n'a pas changé, c'est toi. Papa? J'ai l'impression que ça provenait des abords de l'atelier. Ah, c'est le secteur zéro. Dépêchons-nous d'activer les défenses. Il semble, mon ami, que nous ayons attiré l'ennemi à toi. Mon ami. Ça me rappelle des souvenirs, c'est vrai. Et ça, c'est que le début. On a encore du pain sur la planche. Non, pas pour moi. J'ai des responsabilités ici. Quoi? On a besoin de toi. Le secteur zéro attaque à nouveau. Beaucoup répondent à l'appel de Winston. Gibraltar est opérationnel. Peut-être même que Sojourn reviendra. Il y a du sang neuf dans l'équipe. On a tellement de choses à leur apprendre. Quand ce sera fait, on pourra éliminer le secteur zéro pour de bon. Après ça, les choses redeviendront juste comme avant. Désolé, Reinhardt. Je peux pas venir avec toi. Brigitte est assez grande pour prendre ses propres décisions. Mais je ne peux pas abandonner le reste de ma famille. Je dois les protéger. Protéger mon foyer. C'est eux, ma mission, maintenant. Je sais bien. J'aurais essayé. Tu pourrais aussi rester. Et puis... c'est à eux de jouer, maintenant. On m'a donné une seconde chance. Je ne peux pas la refuser. Alors, on dirait que tu vas avoir de la compagnie. Tu penses que ça ira? Leur aide ne sera pas de trop. Mon étincelle s'en sort bien, pas vrai? Bien? Mon ami, c'est la meilleure! Si j'apprends quoi que ce soit d'utile sur l'Omniac que tu as trouvé, je vous contacterai. Et, Reinhardt, essaye de faire en sorte que Bastion revienne en un seul morceau. Je te le ramènerai comme neuf! Hé, ça va? Toujours.
Zenyatta. Je vous remercie de votre présence. Maître Mondata, il est temps. Frère Ramakra, je suis triste d'apprendre que vous décidez de nous quitter. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, au-delà de nos murs. Merci, Maître Mondata. Je regrette que mon chemin m'éloigne de vos enseignements. Mais je ne suis plus certain que les réponses que cherche notre peuple se trouvent au monastère. Je comprends votre inquiétude quant à notre bien-être. J'espère seulement que vous vous souviendrez de nos leçons et que vous continuerez à rechercher l'harmonie avec l'humanité qui nous entoure. Je crains que les êtres humains ne souhaitent ni partager leur monde, ni coexister avec les Omniaques. Notre race ne compte qu'une seule génération qui se meurt. Ramakra, si vos frères et sœurs humains ne vous ressemblent ni ne vous comprennent, ils suivent néanmoins le même chemin. Car dans l'Iris, nous ne faisons qu'un. Notre espèce est née de l'Iris. Peut-être qu'un jour, nous serons réunis à nouveau. Frère Zenyatta, avez-vous reconsidéré mon offre? J'ai encore beaucoup à apprendre ici. J'espérais que nous puissions poursuivre notre chemin ensemble. Nous nous reverrons, Zenyatta. Bonne chance, mon frère. Il possède une perspective unique. Un petit pas hors du monastère pourrait être le grand nécessaire pour faire la paix avec l'humanité. Vous quitteriez Shambhali? Et s'il n'accepte pas votre message? Afin d'apporter la paix entre Omniaques et êtres humains, c'est un risque que je suis prêt à prendre. On l'a trouvée.